Bonjour chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire traverse une situation difficile. À côté de cette pandémie, nous avons dans ce mois de juin beaucoup d'inondations. Et frères et sœurs, nous avons vu les images, c'est terrible. Nous voulons donc par cette vidéo dire Yako à tous les Ivoiriens, à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, et prier que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. C'est une situation difficile, beaucoup ont eu des pertes en vie humaine, des pertes au niveau de leurs entreprises, et c'est des situations inacceptables. Je voulais donc, au nom de l'Église, au nom des Églises ABMCD, Yako, dire à tous ceux qui me regardent maintenant, beaucoup de courage à vous. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, il dit « Prenez courage car j'ai vaincu le monde ». Je voulais dire à quelqu'un « Prends courage ». Cette situation passera, la Côte d'Ivoire retrouvera sa paix et sa tranquillité. Ce sont nos prières. Je voulais engager donc tous les frères et sœurs qui croient en Dieu, à continuer à croire en Dieu, parce que le Dieu que nous servons n'a pas encore dit son dernier mot. Yako à tous les Ivoiriens, Yako à tous ceux qui ont perdu un être cher, Yako à tous ceux qui ont perdu matériel, qui ont vu leur maison, leur vie complètement mis en parenthèse. Nous sommes avec vous, le Seigneur Jésus est avec vous. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Je voulais vous encourager en cette situation de difficulté à mettre votre foi en Jésus-Christ, car il est une tour forte pour ceux qui donnent leur confiance. Que Dieu vous bénisse et à toute la Côte d'Ivoire, je souhaite la paix, la tranquillité et surtout que Dieu vous protège.